vous regardez RTL. Il a dit « Lorsque je rêve de la vie après la mort, la scène se passe toujours au Ritz ». Woody Allen. Woody Allen, j'allais Woody dire. Allen, non. Alors, c'est un Américain. C'était un Américain. Ah, Fitzgerald. Fitzgerald, non. Ben Hemingway. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Qu'est-ce que vous dites ? Non, rien. Monsieur Manoff, vous faites la gueule. Il est un peu tristounet parce qu'il l'a dit avant. Oui, mais enfin, c'est quand même le Ritz, c'est l'affaire d'Ariel Dombal. Oui, c'est vrai, écoutez. On a le droit de citer que des endroits où on va. Oui. Le Ritz, c'est tout de même parce que ma marraine, Laura Bacon, y a vécu 30 ans, comme Coco Chanel. Vous voyez, monsieur Manoff, c'est on a pas... toujours su que tu venais du peuple. Ouais. Monsieur Manoff, c'est pas vous qui allez nager au Ritz tous les matins. Ah non, je vous le confirme. Tandis qu'Ariel, elle va nager au Ritz. Voilà, bah, attendez, ma tante, elle a nettoyé le Ritz pendant 30 ans aussi. Il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose sur vous au Ritz de très très drôle. Vous buvez l'eau de la piscine avec une paille. Il paraît que quand vous allez nager au Ritz, vous y allez toujours d'abord ou pas, Ariel? Maintenant, je n'y vais plus. Voilà, je n'y vais plus depuis les transformations. Ils ont mis de l'eau. Non, maintenant, je fais privatiser l'océan Pacifique. Alors, il paraît que quand vous alliez nager au Ritz le matin, vous alliez très tôt nager, c'est ça? Oui, ça m'est arrivé. Et il paraît que parfois, il y avait quelqu'un dans la piscine, parce que c'était une piscine très peu fréquentée, et il y avait déjà quelqu'un dans la piscine. Et vous arriviez et vous disiez « Oh, ce n'est pas la peine de sortir pour moi, madame ». Et la dame, évidemment, se sentait gênée et elle sortait. Ah bon, bon. C'est vrai ou pas ? Mais non, bizarrement, ça, ce n'est pas une histoire à moi du Ritz. Non, non, non. La seule chose, c'est que des histoires au Ritz, la piscine du Ritz, je détestais mettre ces espèces de pantoufles. Moi, j'étais la seule qui avait le droit de mettre ses propres petits escarpins pour le Ritz, ses petites sandales. Oh, le vrai chic. Parce que pour nager, c'est plus pratique. Voilà. J'avais mes crocs Swarovski. Non, non. Et puis, qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai été la dernière à voir Pamela Harriman, notre ambassadrice, qui est morte dans la piscine du Ritz. C'est pas vrai. Bah oui. Présente, oui, oui. Incroyable. Elle a fait sa dernière longueur, très élégante. Elle avait des longues jambes. Oui, et puis... Elle a réussi à toucher le bord ou pas ? Et puis, voilà. Ça a été sa dernière traversée. Vous avez l'air surpris, monsieur Elmaleh. Oui. Non, mais c'est incroyable ce que j'entends là. Non, mais c'est vrai. La seule personne au monde qui, avec douceur, peut t'expliquer qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la piscine. Avec élégance, dernière longueur. Elle est oui, 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 oui. Mais en même temps, je trouve que c'est... Que quand elle a voulu remonter avec sa main, Ariel a mis son escarpin dessus. Elle me dit, ça ne vous dérangerait pas de sortir que je puisse nager?